Face à l'océan Atlantique, la côte girondine s'étale sur plus d'une centaine de kilomètres. De Soulac-sur-Mer au Cap Ferret, ce littoral offre une succession de paysages spectaculaires. Une côte sableuse et des stations balnéaires qui attirent chaque année des milliers de vacanciers. Une ressource essentielle pour le département. Près de 14 000 emplois en dépendent directement. Mais l'hiver 2013-2014 met à rude épreuve ces parties du littoral français. En l'espace de 2 mois, 8 tempêtes majeures s'abattent sur la côte. Dépression, forte houle, grande marée, une conjonction de facteurs transforme l'océan en flots déchaînés. L'océan, c'est un élément qu'on ne contrôle pas. Le feu, on l'arrête. L'eau, il faut qu'elle passe quelque part. À Lacanau comme à Soulac-sur-Mer, l'érosion est spectaculaire. Elle a parfois 30 ans d'avance sur les prévisions des experts. Je suis à l'endroit où la dune était en décembre 2013. Donc, les tempêtes de 2014, début 2014, ont fait reculer le trait de côte de 26 mètres à cet endroit-là. Un recul qui met directement en péril des habitations. Après cet hiver sans précédent, la Gironde se réveille groggy. Comment s'adapter à cette soudaine transformation du littoral? Plus au sud, la presqu'île du Cap Ferret se réduit comme peau de chagrin. La commune est prise entre deux mers. Activités et infrastructures sont pour la plupart à fleur d'eau. Comment les protéger? Qu'en sera-t-il avec une hausse du niveau des océans qui pourrait atteindre 1 mètre à l'horizon 2100? Il s'agit de se poser très clairement la question de savoir comment la France s'adapte au niveau de son littoral à la question du changement climatique. Confrontée à un recul inexorable de sa côte, la Gironde est-elle prête à s'adapter? Soulac, en Gironde. Il est 8h du matin. Vincent Reynaud sillonne déjà le bord de mer. Pour atteindre son lieu de travail, un 4x4 s'avère indispensable. Cet agent de l'Office national des forêts est chargé de la surveillance d'une partie du littoral girondin. Je pars en fait de la pointe de Grave, tout à fait au nord, et je vais jusqu'à Montalivet au sud, donc ça fait 30 km en gros de côte. Et j'ai des points de repère tous les 300-400 mètres. Des points de repère qui lui permettent de mesurer l'érosion côtière. Vincent tient à nous montrer un site où la situation est préoccupante. C'est le quartier de l'Amélie, avec cette villa aujourd'hui à 2 pas du vide. Lors de sa construction dans les années 20, 300 mètres la séparaient de l'océan. Aujourd'hui, elle est en péril et ne peut plus être habitée. Cet endroit a été complètement ravagé lors des dernières tempêtes de 2014. Il n'y a plus de sable du tout sur la plage. Donc on est au niveau le plus bas. Ah là, ça se passe des commentaires, parce que là, c'est la catastrophe. Tout part très rapidement, quoi. Impuissant, Vincent ne peut que constater un recul qui semble inexorable. L'un de ses points de repère se trouve à une centaine de mètres plus au sud. C'est pour lui l'un des plus révélateurs à bien des égards. Là, je suis à l'endroit où la dune était en décembre 2013. Donc, les tempêtes de 2014, début 2014, ont fait reculer le trait de côte de 26 mètres à cet endroit-là. Et ce qui est le plus spectaculaire, c'est qu'on retrouve à cet endroit-là les sols fossiles que l'on n'a pas vus depuis 30 à 50 000 ans.
et donc de l'argile, ce que l'on voit de gris, verdâtre, et de la liosse, les parties noires, qui sont de la matière organique en décomposition. L'érosion va tellement vite à cet endroit-là que la forêt que l'on voit derrière, en fait, la dune a complètement disparu, et la forêt que l'on voit derrière, les arbres n'ont pas le temps de mourir, qui tombent à la mer. Pour lutter contre l'érosion, l'homme érige des protections de pierre, mais qui ont un effet pervers. Les conséquences de cet enrochement, eh ben, c'est tout simplement que le sable ne peut plus se déposer sur la plage parce que lorsqu'il y a une vague qui vient éclater le long de l'enrochement, ça fait un effet d'écho en fait. Et au fur et à mesure qu'elle vient au pied de l'enrochement, la mer retire le sable vers le large. Et en plus, on a un phénomène d'érosion qui est amplifié en aval et en amont, parce que l'eau qui s'engouffre au sud et au nord de cet enrochement ne peut ressortir que d'un côté, contrairement à une côte naturelle où la mer se retire soit vers le sud, soit vers le nord. Là, la mer est obligée de se retirer vers le sud et automatiquement, ça amplifie l'érosion par deux. Malgré cela, une nouvelle digue, celle de Rocher Noir, a été aménagée juste après les tempêtes pour protéger le quartier de l'Amélie. Si l'érosion est ici flagrante, de nombreux secteurs du littoral girondin sont également touchés. Pour s'en rendre compte, l'avion s'avère un bon complément aux observations au sol. Sur l'aérodrome de Carcan, le géologue Cyril Mallet s'apprête à prendre un peu de hauteur. Bonjour Olivier. Bonjour. On essaie de shooter comme ça avec une vision à 45 degrés. D'accord. Et de temps en temps, on décale la photo soit vers l'avant, soit vers l'arrière. D'accord. Pour avoir une vue un peu panoramique. Cyril Mallet fait partie de l'Observatoire de la Côte Aquitaine. Une fois par an, il effectue un survol du littoral. Hop, là t'es bien. Parfait. Pas trop serré ? Non. C'est son premier survol depuis les tempêtes de l'hiver 2013-2014. En une demi-heure à peine, l'appareil survole Soulac-sur-Mer. En contrebas, le fameux quartier de l'Amélie et sa digue de protection. Vue d'avion, l'effet pervers des digues est bien visible. Ici, on voit bien l'effet de ces ouvrages, hein, mais de part et d'autre, ils accélèrent l'érosion. Derrière chaque ouvrage, on voit des encoches importantes. Donc, en retrait, il y a des enjeux qui sont menacés. Ici, un camping et quelques habitations. Si Soulac-sur-Mer est la commune la plus touchée par l'érosion, le phénomène n'épargne aucune portion du littoral girondin. Un littoral qui s'étend de l'estuaire de la Gironde au Cap Ferret sous la forme d'une côte sableuse ininterrompue de 110 km. Une côte qui recule naturellement d'un à deux mètres par an en moyenne. Les blocos montrent bien cette érosion puisqu'il y a plus de 70 ans, ils étaient implantés sur le sommet de la dune. Et là, maintenant, on les retrouve sur la plage. Au fil de ce vol, nous apercevons des stations balnéaires construites pour certaines sur la dune. Lacano, Ourtin ou encore Montalivet. Des communes qui ont subi de plein fouet les assauts de l'océan durant l'hiver 2014. Un an après cet hiver éprouvant, les traces laissées par les tempêtes sont encore bien visibles. En fait, la plage a pratiquement disparu. Il manque un morceau du paysage. Normalement, la plage est constituée d'une partie haute qui est un petit peu élevée au sommet de la dune, et puis petit à petit, elle s'aplatit. Et bien, il manque toute cette partie haute de la plage. On voit que plus d'un an après, le système n'a pas encore récupéré et l'érosion se poursuit. L'observation aérienne vient compléter les données récoltées par de nombreux capteurs répartis tout au long du littoral. Ce jour-là,
Cyril Mallet nous montre celles enregistrées par une station de mesure en pleine mer. Elles montrent bien le caractère exceptionnel de l'hiver 2014. Il y a eu plus d'une vingtaine de tempêtes qui se sont déroulées de manière très rapprochée les unes des autres. Et parmi ces 20 tempêtes successives, on peut en identifier un certain nombre, dont 8 tempêtes majeures. La conséquence de la succession de ces tempêtes au cours de l'hiver dernier sur les plages a été de fragiliser, d'un point de vue sédimentaire, ces plages. C'est-à-dire que le sable est parti au large. Il n'a pas pu revenir avec des périodes de répit. Et par conséquent, petit à petit, les plages se sont fragilisées et le système de barres sableuses a été transporté plus au large. Ces tempêtes successives ont aussi perturbé le cycle naturel des plages. Si l'érosion est habituelle en hiver, en raison de la force de la houle durant cette période, l'été, en revanche, le phénomène s'inverse. C'est l'accrétion. Une houle plus calme rapporte le sable sur la côte et forme une berme, un bourrelet protecteur. Mais en 2014, cette accrétion estivale ne s'est pas produite. À certains endroits, la côte girondine semble à bout de souffle. Cet immeuble en est devenu le symbole. C'est la résidence, le Signal. Menacée par l'érosion, elle est aujourd'hui inhabitée. Des vies bouleversées en l'espace d'un seul hiver. Construit dans les années 60, cet immeuble semble alors bien à l'abri derrière ses 300 mètres de dunes. Mais en l'espace d'une quarantaine d'années, les habitants n'ont pu que constater l'avancée implacable de l'océan. Ce 18 février 2015, l'immeuble n'est plus qu'à 10 mètres du pied de dune. Jean-José Guichet et Gérard Naud y sont tous les deux propriétaires. On se croirait à Beyrouth hein, quand vous voyez ça. L'immeuble a aujourd'hui pour eux l'air d'un champ de bataille. Oh. Faites attention, non? C'est ahurissant. Hein. Pour Jean-José Guichet, revenir ici est un moment éprouvant. Tout est cassé, tout est... À chacun de ces passages, il constate de nouvelles dégradations. En l'espace d'un an, c'est devenu une véritable ruine. Évacué en janvier 2014, le Signal est depuis livré aux visites régulières de casseurs et de pilleurs. Non, mais tout, c'est... Oh là là là, le massacre. C'est la razzia. Bon, on est dans ce qu'était mon appartement, hein, c'est-à-dire... c'était des appartements qui traversaient en largeur tout l'immeuble. C'est-à-dire qu'on avait vu sur la dune côté est et côté ouest, on avait vu sur la mer. Hein. Au Signal, chacun avait le droit à son morceau d'océan. Il y a quand même une situation qui était relativement unique. Hein. On n'y venait que pour les vacances, en famille. Et on le gardait pour nos enfants, petits-enfants maintenant, et arrière-petits-enfants, puisque on a la chance d'avoir une petite fille. Et puis maintenant, bah, on n'a plus rien. Donc, vous voyez comment on termine un cycle. C'est un énorme gâchis. Si vous voulez. Les habitants y ont cru jusqu'au bout. En vain. Dans un autre appartement, un vieux journal vient rappeler un projet de protection du bâtiment. Il date du 18 janvier 2013. Le réensablement massif semble privilégié. L'opération pharaonique pourrait être menée en 2015. Ce projet ne verra jamais le jour. Après les premières fortes tempêtes de l'hiver 2014, c'est l'état d'alerte. Il ne reste plus que 20 mètres de dunes devant l'immeuble. Le péril imminent est décrété.
Les habitants reçoivent dans ce courrier l'ordre d'évacuer leur appartement. Un arrêté d'évacuation assorti d'une interdiction d'habitation vous sera notifié sans délai. Ces propriétaires n'ont plus aujourd'hui la jouissance de leurs biens. Jacqueline Gandoin a 83 ans. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans domicile. Hébergée pendant 6 mois par la mairie, elle assume désormais seule un loyer de 500 euros pour ce 29 mètres carrés dans une petite résidence de Soulac-sur-Mer, trop loin à ses yeux de l'océan. Moi, la mairie m'a proposé ça ici. J'ai pris. Qu'est-ce que vous voulez quand on ne peut pas faire autrement, j'ai pris. Je suis pas chez moi. Je suis pas mal, mais je suis pas chez moi. Bon, j'essaie de... Maintenant, je m'y suis habituée même, hein, je peux dire. Mais je ne suis pas chez moi. Et je ne serai plus jamais chez moi. Parce qu'à l'âge que j'ai, comment voulez-vous que je puisse envisager un jour de me retrouver propriétaire d'un petit bidule quelconque ? Il n'en est pas question. Jacqueline Gandoin se voyait bien finir sa vie face à l'océan. Elle regrette aujourd'hui d'avoir quitté son appartement. Jean-José Guichet aurait aimé, lui aussi, couler une retraite paisible au Signal. Il ne peut toujours pas se résigner à cette situation. C'est l'indifférence générale, et puis tout le monde s'en fout. On a l'impression d'être complètement abandonné, et puis... Ça, je peux vous dire que c'est quand même... un peu pénible à supporter. Bon, on est les premiers réfugiés climatiques. Jean-José ne décolère pas, surtout quand il voit les travaux réalisés 3 km au sud pour protéger le quartier de la Mélie, ses villas, ses commerces et son camping. Pour continuer à sauvegarder un peu tout ce coin, cette espèce de digue a été prolongée d'environ 150 mètres à peu près. Et c'est des travaux assez considérables. Hein. Un chantier qui a coûté à lui seul 1,3 million d'euros. Pourquoi tant d'argent à cet endroit et pourquoi rien n'a été fait au Signal, hein? On s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas tellement de villas ici. Bon, il y a quelques commerces qui se trouvent quand même derrière, mais c'est quand même pas... On a l'impression qu'ils ont été beaucoup plus privilégiés que nous, hein, quand même. Hein. Leur colère, les habitants l'expriment dans ces slogans. Ils prennent pour cible leur maire. Pour Xavier Pata, la résidence du Signal ne pouvait pas être protégée comme le quartier de la Mélie. Vu la configuration de l'immeuble en avant du linéaire de la page de Soulac, il est difficile de protéger parce que vous avez, quand vous protégez frontalement un bâtiment, vous avez de l'érosion qui se fait de part et d'autre. Et donc, vous arrivez à contourner finalement l'immeuble et donc à couper en deux la page de Soulac. Autrement dit, une protection devant le Signal risquait de porter atteinte au quartier historique de Soulac, principal attrait touristique de la commune. Si le maire se justifie, les propriétaires du Signal demandent à être indemnisés. Mais Xavier Pinta, lui, rejette la responsabilité sur l'État qui a délivré le permis de construire à l'époque. La collectivité, sur la situation actuelle, ne pense avoir aucune responsabilité parce que ni elle a accordé le permis de construire à l'époque en 1965, ni elle était d'accord sur l'emplacement où a été réalisé cet immeuble. Et d'ailleurs, les décisions du tribunal administratif sont claires. La collectivité n'a pas à indemniser les copropriétaires. Suite à des négociations entre la mairie et la préfecture, une compensation de 1,5 million d'euros est aujourd'hui proposée aux copropriétaires, soit 5 fois moins que la valeur de l'immeuble. Une proposition qu'ils jugent inacceptable. Eux
en appel à l'argent du fonds Barnier, un fonds destiné aux victimes de catastrophes naturelles. Mais l'érosion qui menace le signal n'est pour l'instant pas définie comme telle. Une aberration pour leur avocate, Corinne Lepage. Il y a bien des précédents. Lorsque des maisons s'effondrent sur la côte du Calvados, que je connais bien par ailleurs, parce que la mer a rongé par en dessous... C'est aussi de l'érosion. C'est bien, et oui, les gens sont indemnisés en totalité. Alors pourquoi ce cas particulier pour le signal? Mais qui peut indemniser les propriétaires? Je maintiens que la loi Barnier devrait s'appliquer. Sauf que l'État n'a pas du tout envie de faire jouer la loi Barnier pour le signal parce qu'il a peur du précédent. Et il a peur du précédent, sans quoi on peut estimer qu'il n'a pas tout à fait tort, parce que des affaires signal, je pense qu'il va y en avoir d'autres en France dans les années qui viennent, du fait précisément du changement des traits de côte, de l'affaiblissement des digues, des sables, des dunes, et donc des risques d'effondrement de maisons. Le coût d'une telle indemnisation pourrait s'avérer exorbitant. Si l'affaire du signal est emblématique, d'autres portions du littoral français ne sont pas à l'abri d'un tel scénario. Que peuvent-elles faire pour s'en prémunir? Direction Lacanau, une station phare du littoral girondin. Une station prisée des amateurs de glisse qui viennent y surfer, été comme hiver. Ou des promeneurs qui arpentent ces immenses plages de sable. Lacanau, c'est aussi l'un des rares endroits du littoral girondin où l'on peut venir admirer l'océan depuis sa voiture. Dans les années 80, la dune a cédé la place à un parking. Lors des tempêtes de 2014, la station était en première ligne. Photographe professionnel, Jérôme Augereau n'a pas manqué une seule des tempêtes qui se sont abattues sur le front de mer. Ce soir du 6 janvier 2014, il fait quelques vidéos, des films qui permettent de se rendre compte de ce que les habitants ont vécu. Ça, au moment où je filme, on est presque à marée haute. Et lorsque la grosse partie de houle arrive, on a l'eau qui se retire comme si c'était marée basse. Et je regarde l'élément arriver et ça me fait de suite penser à un tsunami. Là, on reste sans voix quand on regarde ça. La descente à bateau, donc, qui aujourd'hui n'existe plus puisque l'enrochement a été fait devant. Donc, là, on voit une vague qui va venir, voilà, la vague qui arrive, là, celle-ci, qui vient taper jusque sur la dune. Et là, j'ai même peur, je m'en vais, quitte à laisser le matériel, je m'en vais. Voilà, on voit la vidéo qui bouge puisque je vois cette vague arriver, pensant que ça va venir jusqu'à moi. L'océan, c'est un élément qu'on ne contrôle pas. Le feu, on l'arrête. L'eau, il faut qu'elle passe quelque part. En 2 mois, l'océan fait des ravages. Une série de photos prises par Jérôme depuis un point fixe sur le front de mer montre l'ampleur des dégâts. Si on passe du 1er janvier 2014 directement qu'on arrive au 4 mars, voilà, là, on voit bien la différence. À cet endroit, c'est un recul qui est de quasiment 20 mètres. Pour Jérôme, ces photos sont un témoignage. Il en est aujourd'hui convaincu, Lacanau ne pourra pas résister longtemps à l'érosion. Et à ceux qui en douteraient encore, il montre l'une de ses photos aériennes. Donc là, pour bien se rendre compte de la limite, alors on prend une règle que l'on met au niveau des points les plus creux de ce qu'a pu creuser l'océan sur les dunes, et on se rend bien compte que la limite du trait de côte sur le front de mer se situe au niveau du boulevard de la plage. On a 60-70 mètres qui sont en avant du trait de côte. Donc concrètement, voilà, on a toute cette partie qui est en avant. Le boulevard de la plage, le voici. À Lacanau, le trait de côte mesuré après les tempêtes est celui que les experts prévoyaient pour 2040. Quelles sont les solutions
face à cette érosion galopante. Mai 2014, pour protéger le front de mer, les pelleteuses s'activent. Suite aux tempêtes, la mairie décide en urgence des travaux d'envergure. En quelques mois, une immense digue de pierre est érigée sur le front de mer. 800 mètres de long pour 9 mètres de haut. Des centaines de rochers de plusieurs tonnes chacun. En ce printemps 2014, Laurent Perrondet vient tout juste d'être élu maire de la commune. C'est lui qui supervise les travaux. Là, vous êtes tranquille pour combien de temps ? Alors ça, seule la nature pourra savoir le résultat, mais c'est une construction, si elle était nécessaire, elle ne sera pas suffisante. Donc on étudie déjà des solutions alternatives pour le futur. Pour l'instant, cette construction, elle a été portée par l'État et par la ville de Lacanau à hauteur de 3 400 000 euros. Il faut savoir qu'on a pu le faire une fois, on ne le refera pas deux, parce que le budget de la ville ne nous permettra pas de recommencer une protection pareille. 3,4 millions d'euros, soit un tiers du budget annuel de fonctionnement de la commune. On se dit, quand on est un nouveau maire et quand on prend ses fonctions, qu'on n'est peut-être pas tombé la bonne année, malgré que je sois passionné et que j'aime mon village. Ça va être un dossier très très délicat à traiter dans les années qui viennent. Mais j'ai de l'espoir, je suis d'une nature assez optimiste, donc on va travailler tous ensemble pour que ça se passe bien. Consciente de sa fragilité, Lacanau pense aujourd'hui à se protéger à plus long terme contre l'érosion. Comme 7 autres villes de France, la commune s'est portée candidate au plan national de gestion du trait de côte. Un plan qui imagine le littoral et la commune à l'horizon 2100. Nous avons pu avoir accès à l'étude de faisabilité. Voici Lacanau aujourd'hui. Voici ce qu'elle pourrait devenir avec la construction d'une gigantesque digue. C'est le scénario de la protection. Mais l'autre option envisagée est beaucoup plus radicale. Elle consiste à reculer le front de mer. La zone ici en rouge disparaîtrait. Une relocalisation qui concernerait 1200 logements et 110 commerces. Un projet qui est loin de faire l'unanimité parmi les habitants. En boisson ? Parfait. Comme ça, on lutte contre l'érosion en buvant de l'eau. Merci bien. Voilà, merci. Sur le front de mer, cet hôtel-restaurant est ouvert toute l'année. Il y a l'apéro, Alex, là-dessus. Une affaire familiale depuis plus d'un demi-siècle, tenue par Roger Chemeron. Son affaire est directement concernée par le projet de relocalisation. Défendre à tout prix, pourquoi pas, à condition de défendre aussi sur les côtés. Reculer, ne serait-ce que de 50 mètres, c'est reculer de 50 ans, parce que dans 50 ans, ça sera le même problème pour ceux qui seront en première ligne. Donc il faut vraiment prendre une situation globale et non pas décider sur cette tranche pour reporter le problème dans 50 ans sur la tranche suivante. Voilà. Pour ce commerçant, transmettre un patrimoine à ses enfants est le plus important. Et voici, messieurs, dames, de tous ceux qui sont avertis à l'avance, 20 ans avant, de la solution définitive, si c'est indemnisé, combien, si c'est déplacé, comment, de manière à ce qu'ils puissent quand même prévoir leur avenir, ne pas se retrouver du jour au lendemain comme ceux qui sont au signal, qui n'ont pas été informés en temps voulu, la décision n'a pas été prise en temps voulu, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés dans une situation détestable. Le drame vécu par les habitants du signal, Bernadette Buvat y pense également. Cette retraitée vient de s'installer définitivement dans cet immeuble du front de mer. Un petit appartement acquis en 2012. Lors de sa première visite, c'est le coup de cœur. Elle n'hésite pas une seconde. Vous avez vu les surfeurs là-bas ? Là, on les voit faire. Hein. C'est ce qui vous a poussé à acheter cet appartement ? Ah oui, c'est la vue sur l'océan, clairement, oui. Un vrai coup de cœur. De sa fenêtre, on aperçoit l'ancienne descente à bateau. Celle filmée par Jérôme, le photographe, le soir du 6 janvier 2014. Celle du mois de mars, moi, quand je suis revenue, il y avait encore un tronc d'arbre en haut. Et vous n'êtes pas inquiète, là ? Si, si, si. En première ligne, au rez-de-chaussée ? Oui, on est inquiet.
Mais il faut bien vivre avec quand même. Mais on est lucide, hein, c'est sûr. Un soir de tempête comme ça, vous resteriez ici ou vous iriez dans les étages? Oh, je crois que j'irai à l'étage. Je connais suffisamment de monde pour aller à l'étage. Oui, oui, oui. Oui. Parce que là, ça rentre. Hein. Hop. Non, attendez, moi je me mets toujours face à l'océan parce que pour moi c'est vital. Consciente du risque d'érosion, Bernadette Buvat ne veut pas pour autant quitter son havre de paix. On va pas tromper non plus d'autres personnes. Parce que ce qui nous arrive à nous, c'est comme ça, c'est la fatalité. Nous, on n'a pas été prévenus quand on a acheté cet appartement qu'il y avait ces problèmes d'érosion. Je venais du centre de la France, donc on n'était pas du tout au courant. Personne ne nous a prévenus. Et c'est pas une raison pour que je me venge auprès de quelqu'un d'autre. Puis moi, je me sens quand même très bien ici, donc je veux en profiter le plus possible. Bernadette fait partie des 1200 propriétaires concernés par une éventuelle relocalisation. Mais elle ne croit pas du tout que le projet verra le jour. Il n'y a pas que Lacanau, il y a tout le littoral à Aquitain, enfin même Atlantique. Donc ils ne pourront pas relocaliser tout le monde. Il y a des erreurs qui ont été commises il y a fort longtemps. Les permis de construire n'auraient jamais dû être autorisés. C'était là qu'ils veulent agir, pas maintenant. Maintenant, c'est trop tard. Et malgré ça, il y a encore des constructions. Alors, où on va ? À quelques mètres de l'immeuble de Bernadette, deux projets immobiliers sont actuellement en cours. Une nouvelle boutique est déjà en construction. Et à deux pas de là, surprise, une future résidence se vend déjà sur plan. Le promoteur a refusé notre demande d'entretien pour parler du projet de relocalisation. Mais il exprime son point de vue dans ce courriel. Pour nous, une ville comme Lacanau a un avenir et ne peut pas être détruite par l'inaction de nos politiques qui se succèdent. Lacanau, à ses yeux, doit continuer à se développer sur le front de mer historique. D'après le maire actuel, il était impossible de revenir sur ses permis de construire, accordés en 2013. C'est mon prédécesseur qui les avait signés, ces permis, mais je pense que j'aurais fait la même chose. À partir du moment où vous avez des avis favorables des services de l'État, le maire suit ses avis et n'a pas d'outils juridiques qui lui permettent de les refuser. C'est-à-dire que si le maire, à l'époque, avait refusé ses permis de construire, s'il avait été attaqué au tribunal, il aurait perdu. Il aurait été obligé, on l'aurait mis en demeure, de signer ses permis de construire. Aujourd'hui, avec les événements qui se sont passés, je pense que les services de l'État, dans ce périmètre-là, ne permettraient pas de faire de la construction, de ce type de construction, en première ligne, en fond de mer. Aujourd'hui, ils vont se faire, mais il faut savoir qu'une loi, quand même, indique aux futurs propriétaires de ces logements qu'il y a un phénomène d'érosion, et que si dans 30 à 40 ans, ces gens-là sont amenés à négocier pour disparaître, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Pour ces futurs propriétaires, pas d'indemnisation possible. À Lacanau, certains habitants sont convaincus de la nécessité de reculer. Gérard de Péris en fait partie. Il est membre du comité de concertation du projet de relocalisation. Depuis une trentaine d'années, il vit et travaille ici, à quelques dizaines de mètres seulement, derrière la dune, qui sépare sa maison de l'océan. J'ai pas d'inquiétude avec l'océan, il faut seulement s'adapter et vivre avec lui, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que de vivre en accord avec son évolution, avec l'évolution de notre côte. Nous profitons de cette proximité, mais il faut être amené à changer de position si besoin. Les études prouvent qu'il y a une montée des eaux inexorable. Donc il n'y a pas d'autre solution à terme de reculer. On peut tenir la position pendant plusieurs décennies, mais au-delà, ce sera très très difficile de tenir la position du front de mer actuel à Lacanau. Au sein du comité de concertation, tous ne partagent pas cet avis. Pour Jean-Marie Brocker, l'érosion est un phénomène cyclique. Il n'y a pas matière à s'inquiéter.
Comme chaque jour, cet enfant du pays vient observer l'océan. Relocaliser le front de mer, il ne veut pas en entendre parler. Et la nature va reprendre son droit, là. Vous pensez que ça va se résorber ? Oui. Et là-bas, avec le sable qui va être ramené et l'éolien, normalement, dans 2-3 ans, si on n'a pas de tempête, c'est rechargé. En maintenant cette idée de relocalisation, on fait chuter l'attrait de la Lacanau. Moralement, les gens ne viennent plus. Alors si, ils viennent par curiosité, mais il n'y aura plus d'investisseurs en front de mer dans tous ces bâtiments. Et qu'ici, il n'y a plus d'investisseurs, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber en ruine. Ça va être minable. Il faut tenir la position. Techniquement, on a les moyens. Financièrement, on les a pas. Qui doit payer, pour moi, c'est l'État. L'État, la plage Lacanau-Océan, vous avez tout Bordeaux, tous les Parisiens, vous avez tout le monde qui vient. Donc c'est un attrait à la population française. Et moi, je pense que c'est le département, la région et l'État qui devraient s'en occuper. Et même l'Europe. Un appel à la solidarité pour défendre coûte que coûte ce balcon sur l'océan. Tenir la position actuelle ou reculer. Quelle que soit la solution choisie, il faudra mettre la main à la poche. 70 millions d'euros dans le premier cas, 340 millions dans le second, soit près de 5 fois plus. Pour l'heure, aucune décision n'est prise. Ces choix ne sont pas faits aujourd'hui parce que nous n'avons pas les outils juridiques. Donc le législateur n'a pas mis en place les choses pour que justement on puisse envisager ou la relocalisation ou la défense dure. Donc nous avons fini le travail. Aujourd'hui, ces dossiers sont entre les mains du ministère. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. La balle serait maintenant dans le camp de l'État et plus précisément du ministère de l'Environnement. Nous sommes allés demander son avis à Ségolène Royal. Il faut que les décisions qui soient prises et les investissements financiers soient en relation avec le risque. Donc ni trop ni trop peu, que ce soit bien justifié. On a fait une cartographie, on est en train de mesurer les risques. Ensuite, on dialoguera avec les élus locaux, les forces vives locales qui doivent faire les schémas régionaux, territoriaux, parce que ce sont les gens qui vivent sur le terrain, qui connaissent le mieux les problématiques. Ensuite, on va discuter avec les assurances et après, on verra comment on finance. Une partie du fonds Barnier, pourquoi pas, mais il faut que les règles soient affichées. Le sujet est sensible. Malgré l'accélération de l'érosion, pour le gouvernement, il est donc urgent d'attendre. Nous poursuivons notre enquête au sud de la Gironde. Nous sommes à l'embouchure du bassin d'Arcachon, face à la plus grande dune d'Europe, la dune du Pilat. Le bassin, une petite mer intérieure qui vit au rythme des marées. Deux fois par jour, il se vide de près de moitié. L'heure pour les nombreux ostréiculteurs de se rendre sur leur parc à huîtres. Un site unique par la beauté de ses paysages, digne à marée basse de grands espaces africains. Mais ce site exceptionnel doit aujourd'hui compter avec un risque accru de submersion marine. La montée du niveau des océans représente ici une menace bien réelle. Nous nous rendons au Cap Ferret pour savoir comment la presqu'île s'y prépare. 8 000 habitants l'hiver, près de 70 000 l'été. Le Ferret est prisé pour son charme et sa discrétion. Un refuge pour de nombreuses célébrités qui y possèdent des villas nichées à l'abri sous la pinède. Ce matin-là, le soleil a rendez-vous avec la lune. Une conjonction astrale unique signe d'un fort coefficient de marée. Comme à chaque fois, dans ce cas-là, Jean-Philippe Broche fait son tour des plages. Nous sommes le point le plus au sud, de la presqu'île du Cap Ferret. Et ici, vous avez la dune littorale qui avait beaucoup souffert en 2014 et qui a été rétablie par la main de l'homme.
Fin connaisseur du littoral, il supervise l'entretien des secteurs qui dépendent de la mairie. Cette dune protège donc le belvédère de la Pointe et les habitations que vous voyez derrière, en contrebas, qui pourraient être menacées. Un enjeu crucial. Si la dune cède, un parking et une vingtaine de maisons situées 4 mètres en contrebas seraient inondées. Côté bassin, le risque de submersion existe aussi. En ce jour de grande marée, une zone est particulièrement sous surveillance. Le banc du Mambo. Une bande de sable d'1,5 km qui protège de nombreuses habitations des flots. Lors des tempêtes de l'hiver 2013-2014, l'eau submerge ce rempart naturel qui finit par céder sous l'assaut des vagues, comme le montrent ces images filmées par Jean-Philippe Broge. En urgence, la mairie organise une opération pour colmater les brèches avant qu'il ne soit trop tard. Quand tu as fini le truc, tu mets un godet de plus en fermeture de chaque côté des épis. Voilà. Hein? Donc on y va comme ça. Ciao. Ce jour-là, pour prévenir toute nouvelle brèche, ses équipes réensablent le banc du Mambo. À l'endroit le plus bas, le plus fragile, donc on va faire une troisième ligne de bourrelets pour donner un peu à manger à la mer, que l'énergie se focalise et se dissipe dans ces bourrelets et passe pas derrière pour créer des brèches. Quoi. C'est une sécurité. Pendant que la mer va manger ça, eh bien, elle ne viendra pas manger la dune protectrice qui est derrière. Une protection qui a un coût de 10 à 30 000 euros pour la commune à chaque grande marée ou épisode tempétueux. Pour parer à toute éventualité, la commune a constitué un immense stock de sable provenant du fond du bassin. Elle peut ainsi intervenir à tout moment pour renforcer son littoral. Les dunes, maintenant, aujourd'hui, sont comme des pièces d'usure. Il faut de temps en temps faire un certain entretien. Au jour le jour, en fonction des conditions météo, le jour où il pleut, on ouvre le parapluie. Le jour où il fait du soleil, on met une casquette. C'est un petit peu comme nous. Le jour où on n'a pas de mauvaises conditions météo, eh ben, on est un peu plus serein. Le jour où on a des mauvaises conditions météo, il faut prendre les mesures pour laisser passer la tempête. Mais jusqu'à quand le contribuable acceptera-t-il de payer pour cette protection? La presqu'île du Cap Ferret connaît depuis plusieurs décennies de profondes mutations. La preuve avec ces photos, la première prise en 1934, la dernière en l'an 2000. En près de 70 ans, la pointe a rétréci de 800 mètres. Dans le même temps, elle s'est fortement urbanisée. La famille de Jean Mazaudier est l'une des premières à s'être installée ici, vers le milieu du 19e siècle. Il s'est très vite passionné pour l'histoire de ce territoire. C'est le premier document officiel. C'est le cadastre décidé par Napoléon Ier. Et on voit qu'il n'y a que des dunes de sable du Ferret. Et malheureusement, au XXe siècle, l'homme a urbanisé un endroit où on ne construisait pas, on n'habitait pas, parce que c'était dangereux. Je vous montre par exemple ici. Ici, c'est le village du Cap Ferret, qui aujourd'hui est complètement urbanisé. Eh bien, il y a 150 ans, c'était dans l'eau. Les premiers habitants découvrent une terre sableuse en constant mouvement. Nous suivons Jean Mazaudier dans le village ostréicole du Cap Ferret. Ici, les anciens savaient composer avec les marées. En témoignent ces cabanes de bois traditionnelles conçues pour pouvoir être inondées. Alors là, on a certainement ici les meilleures huîtres du bassin d'Arcachon. C'est des huîtres du Cap Ferret.
Alors ici, on a un escourt. C'est en termes de patois, l'endroit où on laissait courir l'eau lorsque la marée était haute. Les vagues passaient par-dessus les défenses et venaient mourir. On laisse courir. Et je trouve ce terme très très beau, ce terme ancien, l'escourt. Peu d'escourts subsistent aujourd'hui. L'urbanisation a pris le dessus, négligeant parfois le risque. Les archives communales recensent de nombreux épisodes de submersion. Le dernier remonte à 1924, un raz-de-marée dont les habitants semblent à l'époque avoir retenu la leçon. Vous voyez, on voit que cet endroit était surélevé. C'était d'ailleurs une salle de bal, café, puis transformé ensuite en hôtel de charme. Mais il est très nettement au-dessus des autres constructions. 1925, un an après le raz-de-marée. Ces constructions surélevées ont peu à peu disparu, tout comme le souvenir de cet épisode exceptionnel. Côté bassin, comme côté océan, la presqu'île doit plus que jamais s'attendre à lutter contre les flots. Un scénario dont le maire Michel Samarcelli dit avoir pris conscience. Que tu expliques les mesures qu'on prend, les apports de sable que l'on fait. C'est inéluctable. Ce que l'on peut faire, c'est retarder. C'est retarder, c'est tout. Alors, les remèdes, ce sont des digues de pierre, des murs de sable, surélever les maisons, il y a des tas de remèdes. Mais je pense que nous ne ferons que retarder et nos arrière-arrière-petits-enfants auront une presqu'île qui aura probablement pas mal raccourci ou rétréci. J'en ai pris conscience. Par contre, je ne souhaite pas que les prescriptions soient excessives, démesurées. Ne pas confondre un principe de précaution, de prévention avec le principe du parasol. On se prémunit de tout. Tout devient interdit, comme ça, il n'y a pas de risque. Ça, c'est pas possible. Un défi majeur pour la commune qui a besoin de savoir ce que lui réserve l'avenir. Au Cap Ferret, un scientifique tente de le découvrir. Alphonse Naon mène une thèse sur l'évolution de la pointe du Cap Ferret. Une flèche sableuse en constant mouvement. À chaque grande marée, il débarque avec ses appareils de mesure. Le but principal, c'est d'abord d'essayer de voir si le climat a un rôle dans les oscillations observées de la flèche. Donc ça, on parle d'échelles de temps qui vont de la décennie au siècle. Et ensuite, c'est de fournir des informations aux gestionnaires sur la variabilité saisonnière, puisque c'est surtout ça qui intéresse les gestionnaires dans les périodes d'urgence comme on a pu connaître cet hiver. Donc c'est de savoir de combien est-ce que la flèche peut reculer au cours d'un événement de tempête. Une fois équipé avec cette drôle d'antenne dans le dos, il s'élance. Sa zone d'étude, ici en bleu, est immense. 3 km du nord au sud, sur 400 mètres de large. Pendant plusieurs heures, il marche, marche et marche encore. Les gens se demandent pas un peu ce que vous faites ? J'ai pas mal de questions. Je crois que je suis un chercheur d'or avec un matériel un peu plus sophistiqué, mais une fois que je dis que c'est un GPS en général, ils sont plus curieux que moqueurs. Une dizaine de milliers de relevés GPS qui lui permettent de mesurer la bande de sable du Cap Ferret. Ce jour de grande marée est pour lui une aubaine. Il peut atteindre à pied des zones rarement découvertes. Je cherche à savoir combien de sable arrive et repart entre l'été et l'hiver. Donc on a une flèche qui, au cours des deux derniers siècles, a beaucoup avancé sur plusieurs kilomètres. Elle est en train de reculer. Depuis son dernier maximal, elle a reculé de 800 mètres. Et on essaye de quantifier en fait la quantité de sable qui est mise en jeu dans ces oscillations. 10 km à pied à chaque relevé est déjà un constat. Depuis le début de son étude en 2013, la pointe
a perdu 100 000 mètres cubes de sable, l'équivalent de 40 piscines olympiques. Depuis son dernier passage, des signes positifs apparaissent pourtant. Là, la plage, elle est en relativement bonne santé, oui, ici. Sur ce côté-là, on est dans une configuration, en tout cas, assez optimiste par rapport à ce qu'on a pu voir à l'automne. Une amélioration qui pourrait s'avérer temporaire. Cette presqu'île, qui n'existait pas il y a 2000 ans, semble en train de disparaître lentement. La vigilance reste donc de mise, comme tout le long de ce littoral girondin, si durement frappé en l'espace d'un seul hiver. Les tempêtes de 2014 sont venues rappeler la vulnérabilité des infrastructures réalisées par l'homme et installées sur cette côte sableuse. Mais sans aide de l'État, que peuvent faire seules ces communes pour lutter contre les flots qui les menacent? Et à quel prix pour le contribuable français? Le développement peut-il se poursuivre alors que l'élévation du niveau de la mer pourrait atteindre 1 mètre à l'horizon 2100? Autant dire demain.